Si la vie est trop dure avec toi, que tu n'es pas bien et que tu sais pas pourquoi, que tu te rends compte que tu n'as rien fait pour ça, et que ça t'énerve, et que ça t'énerve. N'accuse pas à tort et à travers, ne rejette pas la faute sur la terre entière. Tout le monde ne mérite pas ta colère, même si ça t'énerve, même si ça t'énerve. Oublie la société, tes parents ou ton enfance. Méfie-toi des causes qui sont pourtant des évidences. Pour relâcher ta haine sans te poser de questions, les fascistes ont trouvé la solution. Accuse les juifs, les arabes ou les noirs. Prends n'importe quelle minorité comme des fouloirs. Le monde est plus facile à détester quand c'est la faute aux étrangers. Et les gens pas comme toi, il y en a plein, faut pas se gêner. Accuse les gays, les lesbiennes ou d'autres encore. Accuse bien qui tu veux, mais accuse les plus forts. Si on te demande des arguments, gueule à t'en péter les oreilles. Parce qu'on a toujours raison au-delà de 120 décibels. Si accuser ne te suffit pas, et que tes amis sont pas d'accord avec toi, arrête de les voir car ils ne comprennent pas ce qui t'énerve, ce qui t'énerve. Traîne sur YouTube pour écouter des gars qui comme par hasard sont tous d'accord avec toi et veulent te rencontrer pour parler de vive voix de ce qui t'énerve, de ce qui les énerve. Viens dans leur bar privé, commence ta nouvelle vie. Apprends un peu d'allemand et un peu de salut nazi. Laisse-toi pousser la moustache et le génotype à rien. Et en bon connard, va t'en faire le bien. Agresse des juifs, des arabes ou des noirs. Cache ta responsabilité sous ton brassard. Vous croyez être des héros qui rendront la France aux Français. Mais pas n'importe quelle France, plutôt la France occupée. Harcèle des gays, des lesbiennes ou d'autres encore. Range-les dans ton paquet social, justice, warrior. Comme ça c'est plus des gens normaux, mais des ennemis politiques. Et pouf, comme par magie, ils méritent un bon coup de trick. Parce qu'admettons que votre quatrième Reich devienne réalité, que les juifs, les arabes et les noirs soient tous déportés. Comment vous allez faire quand vous n'aurez plus d'ennemis? En bon facho, vous n'aurez plus qu'à vous en inventer, pardi. Ce sera les trop petits, les trop grands, les intolérants au lactose, ceux qui ont plus leur dent de sagesse et ceux qui aiment bien le magicien d'Oz. Tous les choses sauf Alain Soral, tous les Bretons sauf Dieudonné. Ceux qui trouvent que Call of Duty Warfare 3 c'est surcoté. Ce sera les roues puis les frisés, puis ce coin trop grand cubitus. Les gens qui disent chocolatine et ceux qui ont du sang plus haut. En continuant comme ça, y aura plus personne à brûler. C'est peut-être le moment de faire un pas de côté. Tu sais, les juifs, les arabes ou les noirs n'ont rien contre toi au départ. Ils ne font pas de complot contre une race qui n'existe pas. Mais si tu leur tapes dessus, faut pas s'étonner qu'ils t'aiment pas. Tu sais, les gays, les lesbiennes ou d'autres encore, si tu les laisses tranquilles, ils ne veulent pas ta mort. Arrête, tu perds ton temps à les lyncher à coups de latte, alors que le vrai problème, c'est les économistes de droite. Le vrai problème, c'est les économistes de droite.